Bonjour, c'est Arcadia. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur Train Seaward 2 sur le DLC Risa Dresden. Le 5 octobre a eu lieu donc une mise à jour. Donc, ils ont rajouté sur cette ligne une extension, une branche qui nous amène donc à Meissen. Donc, je remercie Patrick lors de la précédente vidéo, puisque ce fameux B ici, enfin, ça ressemble à un B, se prononce comme un double S. Voilà, donc ça se dit Meissen. Je vais vous montrer quand même. Donc c'est une branche qui part donc d'ici et qui va arriver là. Donc elle n'existait pas sur le DLC qui est sorti il y a, on va dire, il y a 3 semaines. Donc ils l'ont rajouté. Donc c'est un peu une première. Voilà, ils peuvent rajouter des petits morceaux comme ça, comme quoi, hein, quand on veut, on peut. Donc ce service horaire, je vais le faire à bord de la 143, la DBBR 143, et normalement on devrait aller jusqu'à Dresden. Donc ça se risque d'être assez long, il faut à peu près une cinquantaine de minutes, 45-50 minutes. Et le problème, il y en a conseillé, ils ont eu des problèmes. Donc sur PS4, en fait, ça plante. Voilà, j'avais essayé la ligne. Et à 1 km de la gare, voilà, ça, il y a un crash du jeu. Voilà, tout simplement. Donc à savoir que ce 5 octobre, comme je vous ai dit, il y a une grosse mise à jour donc sur ce DLC, sur Boston Sprinter. Donc sur Boston Sprinter, j'ai vérifié sur la F40PH, ils ont toujours pas rajouté le bouton pour acquitter la TCL ACES. Par contre, ils ont rajouté donc le correctif pour les livrets. Donc je vous ai fait un petit livret, voilà, tout simple, EcoTrans. Donc EcoTrans, en fait, c'est une société de fret routier, hein, et donc ils utilisent aussi les trains pour affréter donc leurs containers. Donc bien sûr, hein, on est sur une loco, on est sur un train de voyageurs. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut le faire. Voilà, c'est un petit livret tout simple. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais remettre le jeu au début, mon service au début, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc nous voilà à bord de notre DBBR 143. Donc c'est parti, on va mettre l'inverseur sur avant. On va ouvrir les portes déjà, ça sera fait. On va mettre la clé de frein sur on. Hop, on commence à desserrer les freins. Du moment que les portes sont ouvertes, il y a un verrouillage. Il y a une sécurité pour les freins. On va mettre les phares avant sur on. Donc le phare gauche sur blanc et le phare droit aussi. Donc, on va se lever. On va aller mettre le PZB. Voilà. Qu'on est tout bon. Et on va pouvoir fermer les portes. Je regarde, pas encore. Allez, on verrouille. Les voitures voyageurs sont allumées, donc pas de soucis. Et donc là, c'est parti. Donc on a 1 km à faire de mémoire. Donc pas plus de 40 miles. 40 km, pardon. 40 km heure, vu que je démarre sur PZB. Là, ça clignote, donc il faut que je reste en dessous. Et autrement, on est limité à 60. Donc on est en automne, le matin à 8h15, un jour d'octobre parmi tant d'autres. Bon, je monte pas directement à 40 parce qu'elle pousse un peu la cocotte, donc elle peut dépasser largement les... On sait jamais, les 45, donc je pourrais me faire griller. De toute façon, la gare n'est pas loin. Donc cette mise à jour, hein, du 5 octobre, il y a aussi donc ils ont rajouté donc un nombre un peu plus important de PNJ, hein, vu que c'était la mise à jour Rush Hour. Donc sur la Baccarat Line, donc j'ai pas été voir, hein, et sur la ligne Cologne Aix-la-Chapelle.
Voilà. Et donc, moi, il y a encore des choses à corriger. Hein. Donc, ils sont sous investigation, hein, à nouveau des crashs sur PS4. Hein. Et sur PS5 aussi, il y a des soucis au niveau du téléchargement des DLC, parce qu'ils ne peuvent pas tous télécharger. Je pense que c'est par rapport au poids. Moi, j'en ai déjà pour 60 Go et je crois que ça peut monter jusqu'à 80 Go de. Et soi-disant qu'il y a des problèmes là-dessus avec la PS5. Je sais pas trop pourquoi. J'arrive bien assez vite, c'est pas grave. Voilà, il y en a qui descendront ailleurs. Alors là, vous allez voir, embarquer les passagers, ça va très vite. Hein. Autant des fois c'est long, mais là, pour le coup, voilà, on n'a pas le temps de dérouler. J'ai même pas le temps de desserrer mes freins. Faut les desserrer un peu avant parce qu'avec celle-ci, ça met un peu de temps à redescendre. Voilà, et là, vous voyez, j'ai même pas 800 mètres à faire. À peine. Voilà, c'est parti. Du coup, là, je peux monter à 60. Je reste à 50, hein, parce que franchement, 800 mètres. Descendre à 40, ça me laissera le temps de faire la petite vue. Là-bas, il y a un pont normalement. Voilà, on va croiser un train en même temps. Voilà la petite vue sur le. Ça va être le Rhin, je sais pas, je vais encore dire une bêtise. Avec l'église là-bas, la cathédrale. Voilà. Et vous voyez, on est déjà arrivé. Hein. Donc on est le 6 octobre, je tourne la vidéo le 6 octobre, donc ouais, dans une heure même pas, sortira donc la troisième ligne du DLC Rush Hour, hein, donc la mainline London Victoria Brighton, je crois, un truc comme ça. Alors attends, je crois que j'ai appuyé deux fois sur ouvrir les portes. Non, c'est bon, ça les a pas ouvert, quand j'aurais pu desserrer mes freins avant. Voilà. Donc voilà, elle sort ce jeudi 7 octobre. Donc là, j'ai 5 km à faire. Donc point kilométrique 95. Donc vous rajoutez, là, on va aller en croissant, hein, 95, 96. Donc on rajoute 5 km. Voilà, on freinera autour, on commencera à ralentir autour du point kilométrique 100, quoi. À moins qu'on se fasse ralentir avant aussi. Donc voilà. Allez, comme ça. Comme ça, on peut voir aussi les choses de cette manière. Donc là par contre je peux monter à 80, 100 même. Donc on va monter à 100 là. Hop. Et donc sortir aussi prochainement deux adolescents de locaux. Alors vous aurez pour la Backer Blue Line, donc on aura la 1938 Tube Stock, donc développée par Evot Games, et la DBBR 187 développée par Skyrock Games, qui vont doit aussi un DLC de fret US, donc elle sera utilisable sur Cologne Aix-la-Chapelle. Voilà. Panneau 10, donc on peut aller jusqu'à 100.
Voilà pour les infos. Donc j'ai vu que certains avaient encore des soucis avec la PS4 en vue de la dernière mise à jour. Voilà, ils n'arrivent pas à retrouver leur DLC. Donc moi je suis pas connaisseur. Le seul moyen, essayer de désinstaller le jeu. Alors il fait 40 gigas. Installer déjà Transim World 2 de base et après essayer d'installer les DLC petit à petit. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Hein. Autrement, il faut contacter les développeurs, il faut aller sur leur site, hein, Transim World 2, et faire un billet quoi, et leur dire le problème. Mais là, je peux pas trop faire grand chose de mon côté. Il y a peut-être une chose que vous avez fait moins, que vous avez moins bien fait avant, quoi, parce que je vois pas trop comment on peut avoir des soucis maintenant vu que tout a été refait. Donc je sais pas, mais désinstallez le jeu, réinstallez-le, c'est ça que vous pouvez faire. Kilométrique, point kilométrique 98.4. Attends, petit coup de klaxon. Hop, je vais mettre mon inverseur sur neutre, hein, sur 0. La loco va rester sur 100 km/h en moyenne. Là-bas, j'ai un signal jaune, donc je commence à ralentir. Il faut que je sois en dessous des 85 km/h. Donc je vais quitter le signal. À écran, voilà, ça s'affiche en jaune et je descends en dessous des 85. Voilà. On est bon, on a 80. Pas forcément besoin d'ouvrir les fenêtres, hein, j'entends bien. Le son est assez étouffé dans la. Voilà, ça me gêne pas trop. Hein. Là, on va commencer à freiner. Il vaut mieux arriver en gare à 40 km/h, là j'arrive un peu vite. Un peu loin. Voilà, messieurs, dames. Mais ça va vite, hein, le chargement. Bah, c'est pas du bétail. Hein. Hop, ouais, ça me trompe de bouton. Donc là, attention, hein, je suis toujours sous contrainte, donc il faut que je démarre en dessous des 45 km/h. Et je n'ai pas desserré mes freins. Donc on va attendre un petit chouïa. Voilà, c'est bon. Je vais mettre sur 30, hein, parce qu'elle se lance assez vite, la cocotte. Donc là on a de mémoire 3 km 4 à faire. Donc, à moins que ça change, on en est là. Donc, autour des 104 km, point kilométrique 104, avant que ça change les panneaux au bout là-bas. Donc là j'ai quand même acquitté au cas où. Ouais, j'ai bien fait. Là, vous avez un panneau 6, donc ce qui veut dire 60. Donc on aura une réduction un peu plus loin à 60. Je vais la quitter encore une fois. C'est bon normalement. Et voilà, il faut la quitter aussi, ces petits panneaux triangulaires. C'est un peu comme les feux jaunes, les signaux jaunes. Si vous voyez un aimant accroché à ce panneau triangulaire,
Si les vitesses sont 6, 7, 9 en train voyageur, il faut acquitter le signal. Autrement, vous faites avoir au bout de 30 secondes, vous prenez un FU. Donc là, je vais monter à 4, je peux monter à 60. De toute façon, il y aura une limite au son à 60. Donc, on va être tranquille, on a le temps. On va faire une petite vue. Si on se fait piéger, tant pis. Alors, je pense pas que vous verrez ces livrets avec des voitures voyageurs. Hein. Je précise pour les puristes, hein, c'est juste manière de faire un petit livret, quoi. Assez rapide. Et 60, limitation 60, on a vu le panneau 6. Et là, j'ai encore un signal jaune, donc on va la quitter. Ça prend pas, donc on va voir. Il y avait un petit vert en dessous, mais bon, normalement, quand on voit tout jaune, c'est comme le rosé. Fais attention. Si on a une limitation, c'est qu'on a un petit changement de voie, tout simplement. Normalement, je pourrais remonter à 100 là de mémoire. Ça, on doit pas être loin de la gare là. 1 km, ouais, ça va vite, hein, 3 km. Donc, j'en profite pour vous dire, comme on n'est pas nombreux en France à faire des vidéos sur Saint-Sébord 2, donc il y a Dame Dame qui a refait des vidéos donc sur ce DLC. Alors, attention, je vais faire une connerie moi. Voilà, j'ai juste à quitter un peu après, mais du moment qu'on est dessus, voilà, là, vous avez le signal jaune, je redescends en dessous des 80, j'y étais, il faut faire attention. Donc il a fait 3 vidéos hein, sur cette ligne, Risa, Dresden, donc sur PS5, donc il a fait la Talon 2, la 146, je crois, en locaux, et la 101, voilà, donc allez faire un tour, hein. C'est pareil, son vue immersif, tout ça, il joue un peu plus avec le clavier. Voilà, moi je joue un peu avec le clavier pour les caméras, voilà, pour juste faire un avertisseur sonore, mais le reste je préfère la manette encore. Et voilà, parce que bon, on n'est pas nombreux à faire des vidéos sur Transceiver 2 en français, donc voilà, si vous voulez apprendre des choses, bah, allez faire un tour aussi sur sa chaîne, je mettrai un lien dans la description. Et dès que j'aurai le temps, je mettrai une petite vignette en haut à gauche, à droite de la vidéo, pardon. Là, il y en a un qui est sur le départ. Alors, j'ai pas essayé non plus, hein, j'ai vraiment pas le temps. J'ai pas essayé les scénarios perso, tout ça hein, dessus. Alors, j'étais faire un tour. Alors, on peut pas démarrer pour l'instant. J'ai pas vraiment, on peut pas démarrer de mécène. Hein. On peut pas utiliser la branche pour faire des scénarios, hein, me semble-t-il. Malheureusement. Voilà, donc là, on a 2 km 100 à faire. J'ai pas desserré mes freins, j'aurais dû. Donc là, attention, je suis sous 500 Hz, vous voyez, je viens d'y voir. Donc là, il faut pas que je dépasse les 25 km/h au démarrage. Je vais vous montrer sur le HUD, vous voyez le petit point rouge, le petit rond rouge, hein, en bas à droite. Voilà, donc là, il faut pas que je dépasse les 25 km/h. Et j'ai un rouge là-bas, vous voyez, il est là-bas. Alors ma cocotte accélère un peu. On va avancer un petit peu. Est-ce que j'ai bien fermé les portes? Parce que des fois on parle et je fais pas attention. Ouais, c'est bon.
Alors, je suis bien en marche avant. Bon. Bah, pour l'instant, c'est rouge, donc j'ai pas besoin d'avancer, mais bon, faut que j'avance. Voilà, ça y est. Là, dis donc. Mais en faisant des tests avec celle-ci, j'ai eu des soucis comme ça. Je sais pas pourquoi. Les freins étaient bien desserrés, mais elle voulait pas avancer. Voilà, c'est vert. Donc, comme je vous ai dit, il faut pas que je dépasse les 25 km/h. Là, il y en a un qui arrive. Pourtant, ils ont fait des corrections hein, sur les locaux. Hein. Si vous allez sur mon blog, hein, j'ai fait donc une récap de la dernière roadmap là, du 5. Et donc j'ai mis un lien aussi de la dernière mise à jour. Et il y a un paquet, hein. Y a un sacré paquet. Elle fait 5 gigas hein, quand même hein, la mise à jour. Donc. Mais bon, il y aura toujours des petits trucs qui vont pas. Mais bon, si c'est que ça va, quoi. On peut bien attendre 2 secondes pour qu'elle démarre. Vous voyez, là ça a sonné. Là, je peux monter jusqu'à 45. Sinon, je suis limité à combien? Je me rappelle plus 100. Oh, même 120, mais bon, il reste un kilomètre, on va pas s'affoler. Voilà, on accélère un petit peu, mais bon. On est pas loin. Il reste combien? 2 kilomètres? 1 kilomètre 5. On est ici sur la ligne. Donc comme je vous dis, hein, je vais pas aller jusqu'ici. Ça sera impossible, sinon ça va planter. Donc, de toute façon, ça sert à rien. C'est de faire une petite vue avant d'arriver, mais bon, ouais, je risque d'arriver un peu vite si je fais la vue, mais bon, on va commencer à freiner un peu. De la vue intérieure, c'est bon, je suis à 40, c'est bien. Juste pour s'amuser. Ah, je fais gaffe parce que l'autre fois je me suis arrêté juste avant. Eh ben, faut que je ravance. Il voudra pas. Il prend pas. Ah, il y a un train de fret là, tiens. Ils sont pas aussi longs que ceux du fret US, mais quand même. Alors on va ravancer un petit peu, parce qu'en fait, regardez. Voilà. Ah si, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai pas entendu le petit son, c'est pour ça que je me suis arrêté. Et ben voilà, c'est bien. Allez, 1,7 km, c'est parti. Hop. On va mettre la machine.
Donc on en est où là? Ok. Donc là je peux me monter à 160. Hein. Non, 120, j'ai vu, il me semble que j'ai vu un panneau tout à l'heure, 16, mais j'étais pas sûr. Alors, on fait vraiment beaucoup d'arrêts ici. Alors, je peux m'arrêter, ouais. Bon, si ça marchait tout à l'heure. Je préfère m'arrêter après. Hein. Hop, caméra, je pourrais pas la placer par contre. Alors aussi, donc c'est sur leur planning, hein. Ils vont essayer d'améliorer, voilà, mettre un peu plus de vie sur les voies, c'est-à-dire mettre peut-être un peu plus de train, un peu plus de vie, je sais pas trop comment ils veulent, voilà, ils veulent faire ça. Et ils veulent aussi améliorer, améliorer l'état du ciel, c'est-à-dire refaire les textures un peu du ciel, tout ça, des nuages. Hein. Donc ça aussi, c'est en travaux, mais bon, il faudrait déjà qu'ils arrivent à, voilà, corriger tous les bugs. Mais je sais, il y a 4 consoles, hein, même sur Xbox One, hein, il y a une mise à jour, voilà, il y a des problèmes de texture, voilà, on a tous nos petits soucis, hein, donc personne n'est à l'abri de problèmes avec, avec ce jeu, c'est dommage. Ce serait qu'au bout d'un moment, voilà, on veut faire un scénario, bah, ça vous prend 40 minutes, paf, ça plante, bah, vous avez perdu 40 minutes, quoi. C'est pas grand chose, 40 minutes, mais bon. Bah, 40 minutes, je vais faire autre chose, quoi. On peut jouer un autre jeu, voilà, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps. Donc, c'est dommage. Pourtant, j'étais persuadé, je me dis, bon, Risa Dresden, je sais que ça plante, donc je vais pas le faire. Là, je me dis, normalement, quand je fais Cosmix Dresden, ça marche. Pas de soucis. Là je dis c'est un petit segment et là pour 35 minutes, 40 minutes ça devrait aller. Ah non, ça a planté. Donc on avait dit 1,8 km. On va pas trop forcer la vitesse. On y sera vite. Donc on va s'arrêter à la prochaine gare et je m'arrêterai ici moi de mon côté. Voilà, c'est juste pour montrer un petit peu la ligne, voilà, et que ça fonctionne, on va dire, voilà, qu'on déraille pas lorsqu'on passe la branche. Hein. Pas de souci, sauf que bah voilà, ça plante. Donc sur PS5, je pense pas que ça plante, mais ça plante sur PS4. Alors, on a tous nos problèmes, comme j'ai dit. Alors, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et j'arrive bien assez vite. Ah, on va continuer un peu, il y aura peut-être une difficulté après. Allez. Non, c'est pas sévère. Mettre la caméra, ça veut pas prendre la caméra, elle veut pas rentrer à l'intérieur.
Bien mettre les caméras à l'intérieur quand on ferme les portes. Ah non, elle veut pas. Bon. Avant, on pouvait le faire. Hop, allez, on se fait un petit 1,8 km pour finir. J'aurais dû desserrer mes freins avant, ça m'aurait évité d'attendre. Bon, jamais. Donc ça va, c'est vert là-bas, c'est bon. Allez. C'est parti, normalement, ça devrait aller. Allez, vas-y Marcel. Bon, là, pas eu de réelle difficulté, hein, autrement au niveau de... Ah! Un autre train de fret, nickel! Regardez ça. Ah, un autre ici! Bon, c'est pas grave, je sais pas s'il y a un jaune au bout, c'est pas grave. On filme. Regardez, j'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. Ah bah voilà. Il y en a des panneaux là. Il y en a des panneaux. Allez, on arrive à la gare. On cherche toujours celui-là qui a volé les panneaux à l'entrée de Marseille, hein, des vitesses. Poil. Allez, moi je me lève et je vais m'arrêter ici. Et ben voilà pour ce petit tour donc sur l'extension de la ligne Riza Dresden. On a démarré de Meissen. Voilà. Donc normalement on doit aller jusqu'à Dresden, mais bon, pour moi ça plante, donc je ne vais pas tenter. Donc je vais laisser le train à une autre personne. Tiens, regarde, je vais prendre une map. Donc là, faut qu'il la rajoute. Hein. Ici, là, à Coswig, normalement. Hop. Il y a du monde, hein, c'est bien. Non, non. Ouais, lui, là, on dirait Michael Jackson. Lui. Hop. Ah, il flash hein, quand même le. Il faut qu'il brille un peu, non? Il n'y a pas d'autres trains qui arrivent, non? Ah, si, si, un peu de monde, hein. C'est un peu gênant. Allez, hop, moi, je vais vous laisser ici. Bah, tiens, il y en a un qui arrive là-bas. On va le laisser arriver tranquillou. Voilà, on voit quand même des trains hein, sur cette ligne quand même. C'est un peu mort, mais là, ils font quand même des efforts de ce côté-là. Ça soit un peu plus vivant, parce que bon, nous on arrive avec nos propres scénarios, donc pourquoi pas eux. Mais bon, voilà, c'est souvent aussi les consoles. C'est vrai que sur PS4, des fois, ça rame un petit peu. J'ai eu des... Voulez-vous abandonner les commandes du train? Oui.
J'ai eu des petits soucis, j'avais des petits ralentissements au début, mais bon, il n'y en a pas eu là, donc ça tombe bien. Tiens, vous voyez, il y en a qui va prendre donc mon service tranquillement, puis il va partir, je pense. Voilà, il s'en va tranquillement. Hop. Donc bah, c'est là-dessus, moi je vous laisse sur ces images. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et j'embrasse tous ceux que je connais. Voilà, ciao ciao, bye bye.